الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، شيخ فرير شيخ سير عن السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore bénis dans cette mosquée bénie. Nous prions Allah le Très-Haut de nous augmenter la foi et la sincérité, qu'Allah pardonne nos erreurs. Nous prions Allah, les musulmans qui sont morts, qu'Allah les pardonne. Et ceux-là aussi qui sont malades, qu'Allah les accorde la santé. Amen. Et toute personne aussi musulmane qui est dans les problèmes difficiles, qu'Allah me la facilite. Aujourd'hui, le monde est arrivé, on est arrivé dans un moment, il y a des problèmes que tout le monde s'occupe de ça. Et on a dit, nous allons fouiller, chercher la solution de certains problèmes. Comment nous allons faire pour que notre vie soit bénie par Allah? Et comment nous allons faire pour que notre richesse ça soit bénie par Allah, les deux choses. Et toute personne qui veut que sa vie soit bénie et par Allah, et ta richesse soit bénie par Allah, il y a deux choses que le prophète Mohammed, il y a un travail que le prophète a montré. Quand tu fais ça, ta vie sera bénie et ta richesse sera bénie. Si on dit ta vie sera bénie, même si c'est 40 ans que Dieu t'a fait, il t'a donné, Dieu a fait ça sur la terre, ça va dépasser quelqu'un qui a fait même 200 ans sur la terre. Parce que Allah va bénir ta vie, tu vas poser des bonnes actions, même après ta mort. Les gens vont rappeler de toi tes bienfaits et toujours ont prié pour toi, comme les prophètes. Si on dit ta richesse soit bénie, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre les barakas dans ta richesse. Même si c'est 1000 francs que tu trouves par jour, ça dépasse quelqu'un qui trouve 100 000 par jour. C'est ça qui est la baraka. Allah, il met les barakas dans ta richesse. Quel est ce travail? Quel est ce travail? C'est le prophète qui a parlé, c'est le Coran qui a parlé. C'est d'arranger lien parenté. D'arranger lien quoi? Parenté. C'est-à-dire lien de famille. Toute personne qui a arrangé lien de famille, qui a arrangé lien de parenté, Allah il va mettre les barakas dans ta vie. Allah il va mettre les barakas dans ta recherche. Là, il suffit seulement, vous allez rester pour écouter que si le prophète a parlé de ça. Premier hadith, on a nommé cette scène Silatul Rahim. Lien de parenté, arranger lien de parenté entre les gens.
Abu Huraira kana nakri radiyallahu anhu il a dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Huraira porté hadith il a dit le prophète que la paix salut d'Allah soit sur lui il a dit man ahabba an yabsut lahu rizqa wa an yunsha'a fi atharihi falyasil rahima. Cet hadith c'est Imam Bukhari kala li pardon qui a fait sortir ça dans les authentiques. Abu Huraira, il nous dit que le messager de Allah, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man ahabba, celui qui veut, ayyabu sotolahu risko. Tu veux que Allah va te ouvrir la porte de la richesse. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, non? De gagner l'argent pour que nos affaires marchent, nos commerces marchent. Allah dit celui qui veut ça. Ayyabu sotu. Kalimatu yab sotu. Pour que Allah va te faciliter la richesse. Tu sors 7h, tu reviens à 14h, mais tu as déjà gagné beaucoup. Yabusutu, ça connaît ça dans le Coran. Allah dit Wa huwa allazi yabusutu rizqa liman yasha. C'est lui, Allah, qui ouvre la porte de la richesse à celui que lui y veut. Vous savez ce qui est doux, si c'est Allah qui t'a ouvert la porte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la bloquer? La réponse est non. Ça connaît ça toujours, on cherche auprès de Allah. Sinon, il y a les ennemis à côté. Mais si c'est le plus fort qui t'a donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut empêcher. Ça connaît ça celui qui veut que Allah te ouvre la porte de la recherche. Et tu veux que après toi, tu as le bon rappel. Ta vie soit bénie. Même si tu n'es pas là, c'est comme tu vis. Allahu Akbar. Chaque moment, on rappelle de toi, c'est le bonheur de toi seulement qu'on parle. Si tu veux ça, le prophète a dit, Faliyas le Rahima. Il faut arranger lien des parentés, lien des familles. Arrange ça. Il faut arranger tes liens de famille. Il ne faut jamais couper lien des familles. Il faut toujours l'arranger. À travers des bons propos, à travers des salutations, à travers des visites, à travers des dons, arrangez l'un des familles. Et chacun d'entre nous doit faire mastata. Tu vas arranger l'un des parents avec un peu que tu as. Parce que tu as donné chacun d'entre nous un peu. Celui qui veut ça, voilà. Ça, c'est Imam Bukhari qui a amené. Ça connaît ça, les savants, ils ont dit. Il a dit, quand tu arranges les liens de parenté, ça amène que ta richesse, Allah, il va bénir dans ta richesse. Ça connaît ça, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui aide les familles. Wallahi. Parce que regardez, si Allah t'a fait, tu aides les familles, parmi les familles, il y a 10 personnes ou 20 personnes. Ou 5 personnes, ou 50 personnes, c'est toi qui les aides. Ils ne souhaitent pas pour que tu vas tomber, parce qu'ils savent que quand ils tombent, ce n'est pas toi seulement qui a tombé, c'est 50 têtes qui a tombé. C'est à cause de ça, à chaque moment, leurs invocations, ils te mettent dedans. Leurs doigts, ils prient pour toi. Vous savez, le cœur aime quelqu'un qui lui fait quoi? Du bien. Ça connaît ça, toute personne qui arrange le lien des parents, le lien des familles. Le prophète dit, c'est une cause qui fait que Allah il va bénir dans ta richesse. Allah te ouvre la porte des richesses. Et il a dit, Asil Latur Rahim, toute personne qui arrange le lien des familles, il a dit, et ça fait que toi dans ta vie, Allah il met les barakas. La bénédiction, Allah met les barakas dans ta vie. Si on dit Allah a mis le barca dans la vie de quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, il a fait petit temps sur la terre. Mais Dieu lui donne beaucoup de bonheur, comme la vie de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a fait 63 ans. Et les 63 ans qu'il a fait, ce n'est pas tous les 63 ans qu'il était prophète. Non. Il a passé 40 ans d'abord. Mais tout ce que vous attendez, la loi de l'islam, faisait ça. Ne faisait ça pas. Laissez ça.
ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça, ça oriente l'homme, ça t'amène au paradis, ça, ça conduit l'homme dans l'enfer. Tout ce que vous attendez dans l'islam là, le prophète Allah facilité, le prophète a clôturé ça 23 ans. 20 combien? 23 ans. 13 ans à la Mecque. 10 ans à Madinah. Mais l'islam a changé. C'est Baraka que Allah a mis dans la vie du prophète Mohammed. Et c'est comme ça, toi aussi, quand tu vas faire ce que le prophète t'a dit, comme Allah dit, le prophète te dit. Parce que quand le prophète te parle, c'est Allah qui a parlé. Quand tu fais ça, toi aussi, Allah, il met les barakas dans ta vie. Tu vas voir que tu as fait petit temps, mais Allah, il va te faire, tu as fait beaucoup de bonheur sur la terre. Beaucoup de bonheur. Tu vas mourir, mais ton nom ne disparaît jamais dans la bouche des gens. Ton bon rappel ne disparaît jamais. À chaque moment qu'on va te dire tel Allah dit, les gens disent Wallahi, qu'Allah dit pardon. Oh, si Allah dit, il était là. Wallahi, tout, ça, là, ça ne devait pas arriver. Il y a des gens comme ça. Ça, c'est les barakas de la vie, chers frères. On n'a qu'à chercher ça. Tout ça, là, on gagne ça où? C'est l'homme qui arrange bien des familles. Ça connaît ça, le prophète Mohammed. Il a dit, toute personne qui coupe lien des familles, il ne rentre pas au paradis. Il a dit, là, il y a de choule le djennata al-qatikou. Il a dit, là, il y a de choule le djennata al-qatikou. Le prophète a dit, celui qui coupe lien des familles, il ne rentre pas au paradis. Même s'il a prié, même s'il a gêné, même s'il a fait le pèlerinage. Il faut que les gens écoutent ça bien. C'est à cause de ça, les gens qui s'éloignent de leur famille, les gens qui sont orgueillés, ils ont les mal aptitudes envers leur famille. Ce n'est pas l'islam qui a enseigné ça. Ni les sunnah des prophètes n'ont jamais enseigné ça. À plus forte raison, l'islam et sunnah des prophètes nous enseignent d'obéir nos parents, de respecter le lien de parenté et de faire du bien à notre lien de famille. Même s'ils ne sont pas des musulmans. Même s'ils ne sont pas des musulmans. Tu n'es pas le seul d'être musulman, tes parents ne sont pas des musulmans. Prophète Ibrahim, il était musulman, son père n'était pas musulman. Vous écoutez bien? Il y a les Sahaba, ils étaient des musulmans. Leur papa n'était pas musulman. Ali, Abin Talib, il est musulman, son père n'est pas musulman. Il y a beaucoup de sahaba comme ça. Il y a eu des prophètes comme ça. C'est à cause de ça, mais toujours, le Coran et le Sunna nous dit, on n'est qu'à rester bien avec eux. Yahani, le prophète a dit, Kati ur Rahmi, l'homme qui coupe les des familles ne rentre pas au paradis. C'est à dire, ceci, c'est authentique, c'est Imam Bukhari qui a mené. Il y a un monsieur qui s'appelle Abi Bakrata. Abi Bakrata, radiallahu anhu, il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à dire ce qu'on va dire maintenant, ça fait peur. Vous savez le péché, il y a le péché qualité, 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 qualité. Si on te demande quel est le plus grand péché sur la terre, c'est l'association, la polythéisme, d'associer Allah, de donner à la rivalité. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي ذنب أكبر؟ قال أتجعل لله ندا. On a demandé le prophète quel péché que le plus grand des péchés, il a dit d'être associé à Allah. Allah protège nous contre l'association. L'association, ça dépasse tout le péché. Les péchés, c'est comme ça, ils sont la qualité, qualité, qualité. Mais conséquence de l'homme qui coupe lien de parenté, lien de famille, conséquence qui est dedans aussi est lourde. On a demandé le prophète Mohammed, ma min zambil, le prophète a dit, il n'y a pas péché. Ahara an yu'ajjal Allah li sahibihi uqubata fi dunya ma yudakhiruhu fi al-akhirah min al-baqi wa qati'ur rahmi.
Le prophète a dit, il n'y a pas péché sur la terre. Il n'y a pas péché sur la terre. Que Allah va punir la personne dans la vie présente ici. Il va te tirer les oreilles de ça. Tu vas voir les conséquences de ça. Tu vas subir les conséquences de ça. Et après la mort encore, on te punit ça encore. C'est dans des choses. L'injustice et l'anticoupe des familles. Toute personne qui est injuste, tu as deux punitions. Tu vas subir ça dunya ici d'abord. Et Yom al-Kiyama, Allah ne va pas digérer. Yom al-Kiyama, on va te punir encore. Après l'injustice, c'est de couper le lien des familles. Toute personne qui coupe le lien des familles sans aucune cause comme ça, parce que tu te vois, tu es riche, parce que c'est ta femme qui t'a dit, il faut laisser tes parents, ou parce que tu vois que toi, tu as tous les diplômes, tes parents, ils sont des quoi? Tu vois que tu es en aventure, tu connais tout, tes parents sont des villageois, tu les as abandonnés, tu vas subir ça tout le monde ici, avant que Yom al-Qiyam aussi Allah va te punir seconde fois. Qui a dit ça? C'est Rasulullah. C'est à cause de ça pour voir quand tu veux connaître l'homme qui ne vaut rien. Quand tu vois l'homme qui déteste ses familles, c'est l'homme qui ne connaît pas d'où il vient. Si on te dit l'homme ne connaît pas d'où il vient, il ne faut pas encore poser que personne connaît où il part. Non. Si l'homme ne connaît pas d'où il vient, il ne sait même pas où il part. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça. Lien de parenté, de couper le lien de famille, c'est le seul péché que le prophète a dit, c'est deux punitions qu'on fait l'homme. Quand tu vas abandonner tes familles souffrent, tu as le moyen de les aider, tu as refusé. Tu peux aller les rendre visite. Tu as dit, non, les anciens là, ils embêtent. Quand tu vas aller dans notre famille, c'est les embêtements. Famille, pour que famille t'embête, c'est le mal. Vous n'avez pas compris le prophète? Il a dit, celui qui veut que Allah te ouvre la porte des richesses, et celui qui veut que sa vie soit bénie, il n'a qu'à arranger rien de parenté. C'est simple. Ça c'est le kalam Allah, kalam Rasulullah. Tu as accepté, c'est comme ça. Tu as refusé, c'est comme ça. C'est à cause de ça, chers frères, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les gens copient les blancs et copient Yehoud ou Nassar. Ta femme te sépare avec tes parents, tes amis te sépare avec tes familles, ou quelqu'un te sépare, non. Le prophète a dit, celui qui a coupé l'un des parentés, il ne rentre jamais au paradis. Ok, nous tous qui sommes là, voilà, si vous nous voyez souffrir, même si on est fatigué, nous tiendrons toujours le coup. On est sous-fatigué, on est là toujours chaque jour. Voilà, ce n'est pas tout le monde qu'on cherche. Car si c'est tout le monde, on a déjà gagné ça. J'ai dit, si c'est tout le monde, on a gagné. Le prophète a dit, celui qui a réveillé en bonne santé et il a trouvé petit déjeuner. Le prophète a dit, il est le chef de Dounia. Ou bien, il y a encore Dounia. Dounia, c'est la, trouver la santé, non? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui dépasse la santé? Non. Et quand tu te levais, tu as trouvé ton petit chien que tu as mis dans ta bouche. Le prophète a dit, Wallah, c'est comme c'est toi qui contrôle tout Dounia. Là, nous tous, on a gagné du bien. Mais si nous voyons que nous souffrons aujourd'hui, tout ce que nous faisons, voilà, c'est là-bas qu'on cherche. La manière qu'on se réunit comme ça, quand Allah fait qu'on se retrouve dans le paradis comme ça. Amen. Pour ouvrir, pour oublier notre souffrance. Mais s'il y a des actes que notre prophète nous dit, quand tu poses tel acte, le paradis c'est haram, il faut qu'on va se méfier. Surtout vous les jeunes d'aujourd'hui. Surtout vous les aventuriers. Il y a certains, quand ils parlent d'aventure, ils oublient ses parents. Ils oublient les familles. Surtout même dans l'aventure encore, s'il est parti trouver une femme derrière,
La femme là aussi n'est pas bon comportement, il lui fait oublier toutes ses familles, d'où même il vient. Chez nous, à l'âme, on dit, même si moitié de l'arbre est resté dans l'eau, ne peut jamais devenir caïman. Tu peux dire, moitié l'arbre, si on a coupé ça, ça peut dire dans l'eau, mais ça ne devient jamais caïman. Ça, c'est le propos Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est pour te dire, là où tu viens, tu es de là. Tu ne peux jamais changer. L'homme ne peut jamais oublier d'où il vient. C'est à cause de ça, on n'est qu'à faire du bien à nos parents, nos familles, à travers de la salutation, à travers des visites, à travers des bons propos, et à travers de certains cadeaux, si Dieu nous a facilité un peu. Tout le monde a compris ce que nous sommes en train de parler. Tu vas voir quelqu'un, il attend seulement que ça va finir, il va poser une question. Il attend seulement qu'on dise une question. Il va demander au stade, bon, si toi, tu es avec ta famille, tu les fais du bien, ils font du mal. Le prophète a parlé ça, c'est ça qu'on va parler maintenant. Islam n'a rien laissé. Ça veut dire ça, les thèmes qu'on parle aujourd'hui là, si vous nous suivez bien, il n'y a même pas question dedans. Dès qu'on finit, tout le monde rentre à la maison, c'est fini, il n'y a pas question. Parce que tout là où tu vas poser question, les hadiths là tout clôturé. Oui. Abba Huraira nous dit, qala ata rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un homme est venu chez le prophète Mohammed. Faqala ya Rasulullah. Le message dit, au messager d'Allah. Inna li karabatan, karabatu. Il a dit, j'ai des parentes, des parentés, famille. Asilluhum wa yakta'uni. Moi, j'arrange l'un des familles, mais il coupe mon lien des familles. J'arrange l'un des familles entre moi et. Mais et il me fait quoi? Il coupe ça. Aujourd'hui, il y a ça ou bien il n'y a pas? Il y a ça. Voyez-y, où il est, il y a. Moi, je le fais du bien, mais et ils m'ont fait quoi? Du mal. Ou arsene, il est, mais moi, je le fais du bien. Moi, je le fais du bien, ils me font quoi? Du mal. Aujourd'hui, il y a ça ou bien il n'y a pas? Il y a des gens que toi, tu t'approches d'eux, dans ton famille, mais ils veulent t'éloigner. Il y a les familles, tu les fais du bien, mais tous les doigts, c'est que Allah te fait, il faut que tu tombes. Il y a ça bien, il n'y a pas. Le monsieur est venu demander le prophète. Il dit, moi j'ai les familles, Rasulallah. Lui aussi, il a compris que l'homme ne doit jamais abandonner sa famille. L'homme n'est qu'à faire du bien à sa famille. Personne, celui qui a coupé le lien des parentés ne rentre pas au paradis. Il a dit, voilà mon problème. Le prophète, moi j'ai des familles. Je leur arrange le lien des parentés et ils m'éloignent. Moi je leur fais du bien et ils me font quoi? Du mal. Ya Rasulallah, comment tu vois ça? C'est les questions que tout le monde va poser ça après. Voilà ça, quelqu'un a posé ça à notre place. C'est de là que le prophète Mohammed, il a dit, in kana kama takulu, le prophète a dit, ce que tu viens de dire, si c'est vrai, que tu as leur famille, toi tu arranges l'un des familles et il veut couper. Toi tu les fais du bien et il te rend le mal. Le prophète a dit, va continuer ce que tu fais. Allah ne va jamais cesser, c'est toi qui seras au-dessus de chaque moment. Faut jamais laisser. Mais Allah va laisser quand il va cesser de les faire du bien. Il faut continuer à faire. Continuer à arranger le lien des familles. Continuer à les faire du bien et ils te font du mal. Tu les approches, ils s'éloignent. Allah, le prophète a dit, c'est toi que Allah va soulever au-dessus de leur tête. Allez essayer, vous allez voir, c'est comme ça, ça se passe. Lien des parentés, chers frères, ce n'est pas quelque chose qui est amusement. Là, ce n'est pas quelque chose qui est amusement. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ne blaguez pas avec ça. Craignez Allah. Il ne faut pas que vous alloignez des familles.
Il y a certains parmi nous, ils ont abandonné les familles. Le problème que tu as, c'est tes parents que tu les as oubliés. Ton problème que toujours tu ne vois pas solution là, c'est parce que tu es loin de tes familles. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Allah crée toutes les créatures finies, et il a créé lien parenté à Rahim, il a dit, Allah katubil arshi rahman. Dieu, quand il a créé ça, il a collé ça avec la trône de Allah. Vous connaissez Al-Arsh, non? Al-Arsh, là, c'est en haut là-bas, en haut là-bas. Dieu a créé le ciel, cet ciel interposé. Ici est le premier ciel, il faut 500 000 ans de marche. Premier et deuxième aussi, c'est comme ça. Et le premier qui est au-dessus de nous, tous les sept cieux que Dieu a créés là, le plus petit, c'est ça qu'on voit au-dessus de notre tête. Deuxième dépasse premier grand. Troisième dépasse deuxième et premier. Quatrième dépasse tous les trois. Cinquième dépasse tous les quatre. Sixième dépasse tous les cinq. Septième dépasse tous les six. Après septième, c'est Kursiyu. Celle que vous lisez, Ayatou, Kursiyu. Kursi là aussi, Allah dit Wasi a Kursiyu ou Samawati. Allah dit Kursi là aussi dépasse tous les sept cieux. Mais c'est dans la roue là-bas. Vous comprenez bien? Il y a les gens qui disent Kursiyu, c'est le fauteuil d'Allah. Ce n'est pas fauteuil d'Allah, c'est une créature d'Allah. Fauteuil d'Allah. Kursiyu. Allah dit Wasi a Kursiyu Samawati wa al-Ard. Kursiyu dépasse tous les sept cieux. Après Kursiyu, c'est la mer. La mer là aussi dépasse Kursiyu et sept cieux. Et sur la mer que sur ce qu'on appelle Arche de Allah l'a imposé. Ça connaît ça quand Shaitan a vu ça. Il a dit, ah, Arche de Allah est posée sous l'eau. Lui aussi, Shaitan, il a fabriqué son fauteuil. Chaque matin, il vient poser ça sur la mer. C'est là que Shaitan il prend toutes les décisions. Al-Arsh là, c'est en haut là-bas. Allah dit wa kana arshuhu al-ma. Son Al-Arsh là est posé sous l'eau. C'est comment nous, amanna bihi, nous croyons. Ou bien tu ne crois pas? Et Allah, il a collé lien de parenté à son Al-Arsh. Moi, Allah, katoub al-Arsh. Oui. Ça, c'est notre mère Aïcha qui dit que le prophète a dit Wattakoul. Et chaque jour, lien de parenté, voilà ce qu'il dit. Wassalani, wassalallahu man wassalani. Oui. Wassalallahu man wassalani. Wa qata'ani man qata'ahu Allahu. وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. Il a dit rien de parenté, dit Allah, toute personne qui a arrangé moi rien de parenté, Allah arrange sa vie, arrange son travail, arrange toute son action pour lui. Et tout aussi, toute personne qui a coupé rien de parenté, Allah, il faut gaspiller toutes ses affaires. Et imaginez celui qui est collègue de l'arche de Allah, s'il fait douleur, ça accepte bien, c'est pas accepté. Ça accepte. Ce doigt ne se passe pas sur la tête, ça se passe en haut là-bas. Si on dit lien de parenté, au niveau de ton père, au niveau de ta maman, c'est ta famille. Il faut supporter tout le monde comme Dieu l'a. Il y a certains, ils sont bons. Il y a certains aussi, regardez, Hadith, toi tu les fais du mal et ils te rendent quoi? Tu le fais du bien, il te rend le quoi? Le mal. Parce que toi, tu as compris ça là. Mais lui n'a jamais compris ça. Est-ce que vous êtes pareil? Le Coran a dit, La yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna.
Coran a dit ceux qui connaissent la loi de Allah, les sunnas des prophètes, et ceux qui ne connaissent pas la loi de Allah, ni les enseignements des prophètes, ils ne sont pas pareils. Il y a une grande différence, comme le ciel et la terre. Ça connaît ça. Faut pas gaspiller votre temps. Tous les jours, tu es là, tu dis, je ne connais pas. Mes affaires, ça ne marche pas. J'ai tel problème. Arrange les deux familles. Tu veux que ta vie soit bénie, arrange les deux familles. Qui a parlé ça? C'est le prophète Mohammed. Vous comprenez bien? Regardez, ces deux messieurs qui sont là, dans l'aventure, ils sont même pères différents des mères. C'est-à-dire petit frère et grand frère. Mais ils ne s'attendent pas. On les a réconciliés, ce n'est pas abouti. Qui refuse? C'est le grand frère qui refuse. Le petit frère a fait tout. Le petit frère est venu rentrer au pays. Il a trouvé la maman des grands frères qui ne s'attend pas avec lui. Elle est endettée, c'est-à-dire elle est dans la dette. Elle doit quelqu'un. La somme, quelque chose de 400 000. Il n'est pas regardé que moi avec mon grand frère. On ne s'attend pas. Est-ce que vous me suivez bien? Ça là, c'est tout le moral que nous tous on va trouver dans cette histoire. Et il n'est pas pensé que ce n'est pas ma maman qui m'a mis au monde. C'est ma mère, parce que c'est la femme de mon père. Il est parti, il a salué la maman de son grand frère. Ça va maman, il a dit oui. Mais j'ai un problème. Maman dit, quand tu vas retourner, dis ton grand frère. Maman ne connaît pas quel est son problème. Je suis endetté. Voilà comme ça, comme ça. Il a dit, maman, comment je vais dire ça à mon grand frère, moi je suis là. Moi aussi, je suis ton enfant. Il dit, c'est combien? Il dit, 400 quelque chose. Il a compté l'argent, 500 000, il a donné. Il dit, enlève dedans, tu perds ton crédit. Le reste là, il faut garder. Même si je suis parti, quand tu as le problème, appelle-moi. Maman est restée comme ça, suit. Et lui aussi n'est pas dit, maman, que j'ai le problème avec mon grand frère. On nous a réconcilié, le grand frère refusé, n'est pas dit ça, non. Mais lui, il a fait ce qu'il va faire. Quand il est revenu, arrivé, il n'est pas dit son grand frère que Jésus allait se maintenant. Il s'est tué de là. C'est comme ça, maman appelle son fils. Ça va bien, il dit oui. Il dit, ton petit frère est venu ici. Je vais te dire aujourd'hui, si tu sais que c'est moi que ta maman qui t'a mis au monde, il faut attraper ton petit frère à la main comme ça, chaque moment avec lui. Il ne faut jamais l'abandonner. Parce qu'il m'a fait quelque chose que je n'ai jamais pensé et je ne vais jamais aussi oublier. Car Allah lui bénit et il vous bénit tous. C'est de là qu'il a dit, voilà ce que ton petit frère venait me faire. Le jour-là, le grand frère n'a pas pu dormir. Voilà, et le sommeil est parti, le sommeil est disparu. Si tu peux supporter quelqu'un qui te fait du bien, fais-lui, il te fait du mal, fais-lui du bien. C'est avec le bien qu'on convainc tout le monde. Je t'insulte, tu m'insultes, on devient égal. Allah dit, « Wotou la takfuruna kama » Kafarou Fatakounou, non? Ça va. Allah dit le mécréant que vous voyez, il ne veut rien. Il veut que vous aussi vous deveniez mécréant. Et on devient égal. Ne le suivez pas. L'homme qui est mauvais, il veut que toi aussi tu deviens mauvais. Le lendemain, le grand frère a cherché les connaisseurs. C'est le petit frère qui l'a calmé, non? Il a refusé. Maintenant, c'est lui qui va demander pardon à son petit frère. Il est venu comme ça avec des grands, les gens.
Il pleure comme ça devant son petit frère. Ils ont parlé, fini, le petit frère dit, moi je n'ai aucun rancune avec toi. Moi j'ai déjà oublié cette affaire. Et il a dit, mais pourquoi tu es parti faire tout ça là chez maman? Tu m'as rien dit. Il dit, mais tu ne me parles pas. Si je t'adresse encore, ça va soulever ton colère. Je n'ai pas fait ça à cause de toi. Moi, j'ai fait ça, c'est parce que c'est ma mère. Ça là, il a augmenté encore deuxième maladie. Il dit, je n'ai pas fait ça à cause de toi. J'ai fait parce qu'elle est ma mère qui m'a mis au monde. Voilà comment, quand on arrange rien des familles. Et aujourd'hui, ce monsieur que je vous parle, le petit frère là, Wallahi, Dieu l'a béni dans la voiture. Billahi Nézi, Dieu l'a béni. Vous savez, ne blaguez pas avec les doigts de nos mamans qui sont au village là-haut. Leurs doigts les dépassent tous les walis de Tounia. Tu vas aller trouver un wali qui est dans sa chambre avec qui le cri va te mentir. Va au village, ceux qui souffrent là, il faut l'aider. Il va dire Allah, aide-lui, c'est fini, Dieu a accepté. Toi, tu blagues avec l'homme qui va faire 5 ans, il ne connaît pas 10 000 krakas. Et tu enlèves ça, tu mets dans sa main. Doigt qu'il va te faire là. Ça, c'est un doigt de prophète. Hein? C'est vrai, doigt qu'il va te faire. Et imaginez une maman qui va te faire doigt. C'est à cause de sa chère frère. Dans les familles, ça, là, ça ne manque pas. Tu peux être petit frère, ton grand frère, vous ne s'attendez pas. Tu lui fais du bien, il te rend le mal. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta petite soeur, ça peut être ta papa, il a des femmes. Les autres enfants, avec les autres enfants, problème. Mais toujours faire du fort et accepter les familles. N'éloigne pas les familles. Parce que le prophète a dit, là, il y a de rôle le djannata, kati ou rahim. Il dit, celui qui coupe les parentés ne rentre jamais paradis. Allah, yom al-kiyam, si l'homme n'est pas gagné paradis, Allah dit, fakad hasra khusranan mubina. Si on dit quelqu'un est tombé dans les faillites, voilà l'homme qui est tombé dans les faillites. Voilà le thème d'aujourd'hui. Arranger les liens des parentés, supporter avec toutes les difficultés qui sont dedans, afin qu'on trouve la bénédiction dans notre vie. Et la bénédiction qu'Allah va ouvrir dans tes recherches. Wallahi, ça c'est le prophète qui a dit. Wallahi, ce matin-là, c'est le prophète qui a dit ce que je vous ai dit. Qu'Allah donne la compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.